Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Un couple habitant à Sydney, en Australie, a connu une grosse frayeur en début de semaine. En rentrant des courses, Alexander White et sa compagne Amélie Knight ont découvert un serpent dans un de leurs sachets de salade. Le serpent était blotti au fond d'un des deux sachets de laitue achetés dans un supermarché Aldi de Sydney. C'est Alexander qui a découvert l'intrus. Le reptile mesurait environ 20 cm de long. Il devait dormir dans le sachet, mais a dû être réveillé par des secousses. Nous n'avions pas de chariot, alors on l'a mis dans notre sac à dos avant de rentrer à vélo, poursuit Alexander White. Sa mère, Leslie Kuhn, a posté des photos sur Facebook afin d'alerter son cercle d'amis et les autres consommateurs. La famille a contacté l'Association de protection de faune sauvage Wires pour qu'elle vienne récupérer le serpent. Les spécialistes leur ont d'abord dit de faire attention au cas où il s'agirait d'un serpent brun, l'espèce la plus venimeuse d'Australie. Finalement, grâce aux photos, un expert a pu rassurer la famille, il s'agissait d'une autre espèce possédant certes du venin et ayant un intérêt médical, mais beaucoup moins dangereuse.